Yes, salut tout le monde, c'est Jean Bloquet, on se retrouve pour ce 36e épisode du Let's Play d'Avatar Frontier of Pandora. On s'était laissé, on a des trucs un peu bizarres parce que t'as l'autre qui nous dit qu'elle est persuadée que d'avoir tué les Sarintou. Mais notre personnage dit non, bah non, c'est pas c'est ceux qui venaient du ciel. Mais il y a un truc bizarre. C'est vraiment bizarre ça, faut vraiment qu'au truc, et on avance bien parce qu'on est quasiment, on est dans les dernières lignes droites, il reste 7 missions grosso modo, donc il nous reste une dizaine d'épisodes, sauf si je suis obligé de monter les levels. Il faut aller là-bas. Dans la chambre d'herboriste, ok. Donc en fait, le mec qui pouvait nous aider, il était déjà là-bas. Déjà alors. Il y a un autre chaman, Sihul. Est-ce qu'il va nous aider? Je l'espère. Il est là-dedans ou pas? Mon frère a quitté les gorges et n'est jamais revenu. Je me demande ce qu'il est devenu. Ils sont si... Hey oh! Sihul? Sihul? Nor, je suis à l'atelier de Sihul. Ça a l'air... abandonné depuis un moment. Pourquoi il y a autant de cas métirés qui disparaissent? Tu penses que c'est le Yavé? Je vais jeter un œil. Commencer l'enquête. C'est peut-être lié à... Il y a l'indice? Je crois que Sihul tente de créer quelque chose avec cet épineuil. Ça. Il va y avoir un truc au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai vu un autre truc là dessiné. Oh. Notre grâce est d'un tout autre niveau. Voilà tout. Ouzamil croit qu'elle vaut mieux que tout le monde, simplement parce qu'elle s'occupe d'Atofi. Je pense qu'elle a toujours été comme ça. C'est tout. Elle veut se montrer digne après le départ de Sam Nei. Peut-être. Ça ne doit pas être facile de perdre son mentor. Il y a des temps bleus. J'ai beaucoup appris de mon mentor. Excusez-moi, je cherche des indices qui pourraient m'aider. Ah. Une peinture de canyon, des empreintes de main. Sihul voulait peut-être que quelqu'un le suive. Ah, ça, là... Pourquoi là-bas ça... Sihul cherche à faire quelque chose. Mais la garde d'Atofi a dit que l'herboristerie est interdite. Peut-être que Sihul ne pouvait plus se cacher ici. Et il serait parti au canyon. Peut-être qu'il y a l'étrange épineuil aussi. C'est proche du Yavé. Je vais tenter de le trouver. Ok. Ensuite, bon, on va y aller. Hein. Je sais pas pourquoi je sens pas ce truc-là. Il y a le guetant bourgeon, je sais pas c'est quoi. Je vais y aller. Attends, elle est où? On va prendre Titine. Parce que de toute façon, c'est à 2 km le truc. Ah, Titine. Il y a un truc là qu'il faut trouver. Tu mets Titi. On doit pouvoir aller là-haut. Par contre, oui, niveau 14, on y est presque, donc c'est pas si gênant que ça. C'est quoi ça? Wow.
quoi ça? Il y a un truc quand même à aller là. Il y a quelqu'un qui est rentré là-dedans. Pourquoi? Pourquoi il y a ça? Eugene, t'es où? Eugene? Eugene. Oh, je... Eugene? Pas sûr. Je cherche Titine. Ah oui, elle est là, d'accord. Elle est au-dessus de moi. On va y aller, on va avancer un peu à pied parce qu'apparemment j'ai pas, je peux pas récupérer Titine. Laisse tomber. Ah bah elle est là maintenant. Ah mais Titine, on va m'expliquer là que t'étais où là. Je voyais plus. J'avais peur. Je me sentais seul. Putain, les écouteurs de l'arrière. Par contre au niveau 14, si ça était un truc on va dire simple. Je pense que on n'avait pas besoin d'avoir le niveau 14. Mais de toute façon, on n'est pas loin du niveau 14, donc je devrais souffrir, mais pas trop. C'est déjà ça. Nord, je crois que j'ai trouvé le canyon. Il ressemble beaucoup au dessin de Seoul, mais je ne le vois nulle part. Attends, je vais chercher cet épineuil. Titine, à toi. Oui, je trouve. Ah, oui, d'accord. C'est ça les pinouilles, non? Nord, il y a beaucoup d'épineuils. Ce n'est pas normal. Si où l'as-tu venu ici? Je crois aussi. Je peux sentir un camé tiré. Essaye de résoudre les problèmes de son clan. Comme nous. Comment ça va au QG? Il s'accroche. Mais Alma, elle ne va pas très bien.
Qu'est-ce que t'as fait, toi? Il en a foutu partout. Mais ça a l'air d'être du poison, ça, vu que je m'empoisonne à proximité du nuage. Mais pourquoi il veut utiliser des poisons? D'accord. Un camp abandonné. On va virer le truc. Oula, ça sent pas bon là-bas. J'essaie hein, de suivre, on verra bien. Hein. Si ça m'emmène là où il y a, la RDA, je suis pas fan. Hein. Ouais ça. Ok. Ok. Non, non, t'as pas le droit de me faire ça, frérot. Je vais mourir. Pourquoi? Et merde. Je vois pas le truc qui essaie de me montrer en surbrillance le jeu là. Ah, peut-être par là. Ah, c'est ça, d'accord. Un petit cloche. Allez. Et où le petit cloche? Il est là comme par hasard à côté des trucs. Faut que j'arrive à grimper là-haut. Plus loin, ça. Voilà. La santé qui revient définitivement. Par contre, oui, j'ai vu. Hein. Il y en a qui ont dû voir avant que... Ça vaut pas le coup de me détruire la santé pour ça. Il y a une installation de la RDA. C'est calme. Pas de RDA par ici. Une seule façon de le savoir. Pourquoi Sioul toucherait des pièces métalliques? C'est un Kamedir. Il est peut-être désespéré. Aucun vrai Na'vi ne manipulerait du métal. Ça n'a pas le moindre sens. Bah oui, nous. Ah ouais, mais nous, on n'est pas des vrais Na'vi, c'est ça. Il a établi un camp, oui. Ok. Ok.
la porte est inaccessible. On va récupérer ça, on en a 47, c'est cool. Je vais passer par là, si j'y arrive. Ah c'est bon, ça va, tu te cognes, ça passe. Hé, hey, Tocard, tu peux ouvrir la porte, hein. Non, non, ça ne va pas. Tout est rouillé. Il n'y a que du métal pourri. Au cours ? Oh, pardon. Je sais que ça a l'air bizarre, mais ce n'est pas moi. C'est pour de la recherche, pour enlever le Yahweh. Mon mentor, Sioul, a trouvé tout ça. Je me suis dit que je pouvais continuer son travail... Maintenant qu'il est mort. Sioul est mort ? Je suis désolé. J'espérais qu'il pourrait m'aider. Atoufi semblait terrifié de me voir. Quoi ? Tu as parlé à Atoufi ? Sioul a toujours pensé que ce n'était pas sa faute, ce qui était arrivé au... Oh. À mon peuple. S'il avait raison, peut-être qu'Atoufi pourra enfin... Je ne sais pas... Arrêter de s'en vouloir. Enseigner de nouveau nos traditions à des gens comme moi. Sioul venait tout le temps ici. Il était persuadé que le Yahweh cachait des secrets sur le sort des Sarentu. Trouve la vérité, disait-il. La vérité ? À propos de ce qui est arrivé à mon clan ? À propos de ce qu'Atoufi a fait ? Ou n'a pas fait. Sioul essayait de nous protéger du Yahweh. Tout son travail est ici. Mais je ne peux pas entrer. Et... Il y a aussi du Yahweh. Tu crois que les objets de ceux qui viennent du ciel pourraient nous aider ? Logiquement, oui. Il y a du loot partout, là. Alors, piraton. Je suis là. Ok, on tourne par là, on tourne par là, on tourne par là. Une simplicité enfantine. Je crois pouvoir dissiper le Yahweh d'ici. Ce générateur doit être connecté au système de ventilation, mais j'ai besoin de composants électriques. Oh, tu sais, il y a ceux qui viennent du ciel dans le coin. Et tu penses que si on leur demande gentiment, ils vont nous donner ce qu'il faut ? Ah, peut-être que tu peux faire ça discrètement. On doit récupérer les recherches de Sioul. Elles nous apprendront tous les secrets du Yahweh, je crois. Non, je le sais. Ok. Je peux aller par là ? Non. Bon, il va falloir sortir, c'est ça ? Hein ? On a ouvert la porte là ? Il y a un truc là-bas. Attends, il y avait du loot et... Ah oui, dans le loot, il est à l'intérieur. Malin, quoi. Il y a un truc là-bas, mais je peux pas y accéder. Ok. Oui, j'aime bien les conduits d'aération. M'appelle John McClane dans le milieu. Je les répare à moitié. Hein. Ils sont obligatoirement level 14, on est d'accord. C'est improbable qu'ils soient pas level 14. Hey Priya, tu sais où la RDA entrepose son équipement électrique ? Tu prévois une petite virée shopping ? Je te dirigerai bien vers le bon rayon, mais tu risques de pas comprendre. N'importe quel générateur. On les trouve généralement près d'entrepôts souterrains dans les bâtiments de la RDA. Merci Priya. Y'a pas de quoi.
J'essaie de descendre tant bien que mal. Après, on est capable d'être discret, hein, ouais. Ouais, je sais. Je dis ça et même moi, j'y crois pas. Moi, ce qui m'étonne, c'est que j'ai toujours rien trouvé. Ce site est impressionnant. Il est énorme. Ah, ça y est. Ils sont level 14, un truc comme ça, ouais. Moi, si je sais tous où ils sont, j'aurai pas de problème. Je crois que je commence à avoir faim. Pas l'air si fourni que ça. Hein. Que ça? Mais en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que toutes les quêtes se télescopent là. Vous voyez ? À tout le personnel de la base. Il y a un truc qui. J'ai l'impression que toutes les. Toute la quête, elle se télescope, donc. RDA vous remercie pour l'aide que vous apportez à l'amélioration de l'humanité. Ok. Donc c'était bien là-bas. Ok, parfait. C'est ce que je voulais savoir. Il y a un truc. Attention, tout formulaire C098 incomplet sera passé. Il devrait être rempli de nouveau. Fabriquer. Voilà. De nouvelles recrues arrivent du QG aujourd'hui. Veuillez les accueillir à bras d'être efficace. Inutile. Ne laissez pas le temps à ton bout de votre esprit. Allez prendre l'air et éliminer un pont bleu. Un jour de moins à passer dans ce futur.
nuits sont plus longues ici que chez nous. Viens, c'est moi. J'essaye de faire discretos, mais je sais même pas. Centre d'analyse Bravo, de la K1. Je comprends pas pourquoi mais bon. Là-bas. Le problème c'est que t'as des trucs ici. Je dois aller là-bas. J'avais fait la moitié du truc. Mais je dois aller là-bas. Apparemment. Je sais pas pourquoi, mais... C'est bizarre. J'aimerais bien courir, mais apparemment... Non, c'est bon, j'ai de quoi courir. Et comment je remonte là-haut, en vrai? Je suis descendu comme un... Comme un charclos, mais... Je sais pas comment je vais remonter. Je sais comment je vais faire. En espérant que les... On y va, Titine. Ah ouais, je sais. Ça a été compliqué. Je comprends pas qu'est-ce que je devais saboter et tout. Si je retrouvais l'entrée. Ah bah non, il y a une entrée. Maintenant, je peux y accéder, c'est vrai.
Te voilà. Tu l'as avec toi? Ça s'est bien passé? Oui, oui, bien sûr. Ça m'a l'air d'aller. J'espère que ce n'était pas trop compliqué. Alors, je suis par là, je vais par là. Hop, comme ça. Voilà. Entrer dans l'aile. Comment ça? La porte s'ouvre pas? Ça ne fonctionne pas. Ces machines sont étranges. Comment ça marche? C'est juste le carburant. Oh, si tu le dis. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Ça devrait alimenter la ventilation. La ventilation? Quel mot particulier? Qu'est-ce que c'est? Ça va faire sortir le Yavin. Attends, je dois simplement relancer le système. Ça devrait suffire. De vrai? J'apprécie ton optimisme. Bon, et maintenant? Il devrait y avoir un panneau de contrôle quelque part, non? Ok. Par là, par là, par là, par là. Est-ce que ça suffira pour tout nettoyer? Je dois activer d'autres vannes, mais ça devrait le faire. Ouais, bah attends, hein. Si je te dis. Ouais, parle alors que je t'entends plus, c'est bien. Moi j'y accède là-bas. Et 1040. Je vois pas par où passer. Par là, ok. Ok, d'accord. On passe par là. C'est pour ça qu'il restait une minute. C'est parce que je devais aller par là. Voilà. Toujours plus, hein. Je passe par où? Et... Je passe par où? C'est surtout ça la question. Et je passe par où? Là, je suis passé par là. Non, je vois pas. Ah, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Ok. Ah, d'accord. Je suis assez proche, non? Ah là, oui, je suis assez proche. Je peux pas. Non, mais je vais mourir. J'arrive pas.
Il est où? Et comment ça, je peux pas l'activer? Je suis dessus. Putain, mais sérieux? C'est quoi ce truc là qui te dit, qui te montre un truc qui correspond à rien? Je suis désolé, mais à un moment donné, je suis là. Vous voyez là-bas, je vois le truc. Mais je peux pas y accéder. Pourquoi? C'est ça. Il y a 1 minute 29 pour faire ça, mais j'arrive pas. Je peux pas y accéder. Peut-être que je peux y accéder de l'autre côté. Je veux passer. Putain. Attends, il y a un passage en dessous. Il y a un passage en dessous. J'ai vu. Donc c'est pas pour rien qu'il y avait... Ok, donc il faut aller... Bon, par là. Hein. Non? Parce que sinon... On se retrouve. On masse là-bas. On peut aller par là? Ouais, j'ai un peu paniqué à un moment donné, mais bon. Que voulez-vous? C'est par là. Non. C'est par là. Ici, ici, ici. Non, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Il y avait un truc que je pouvais récupérer là, mais je récupère comment? Pardon. Juste une seconde. Comme ça. Non mais, me faites pas le coup, je peux pas... Je veux pas, c'est... Merci s'il vous plaît. Non, c'est par là. Voilà. Oh. Un fusil d'assaut. Bon. Mais non, j'étais passé par là justement parce que c'était le passage. Attendez. Est-ce que je peux équiper mon fusil d'assaut là? Non, il est moins bon que celui-là. Donc, il y avait un autre truc dans le coin aussi.
là-bas. Je crois que là-bas il y avait un truc. J'avais vu à un moment donné. Non, ça c'est l'entrée. Bon, moi j'étais dans un coin, j'ai vu un truc. Quoi. Je l'ai peut-être récupéré en vrai. Allez, on va parler à truc. Salut. À moins qu'il y ait des trucs à récupérer dans le coin. Hein. Regarde là, il y a un truc là. Un arc long. Oh. Et celui-là qui fait défaut là. Oh bah oui, voilà. Tu dis vos 14, on n'en parle plus. Voilà, merci. Oh, on est déjà 41. Je crois qu'il faisait une sorte de thé avec ça. Oui, pourquoi pas. Avec de l'épineuil. Ça pourrait vraiment marcher. C'est quoi ça? Tapcon 1? Je ne sais pas. C'est sûrement Sioul qui l'a trouvé. Mais ça, ce symbole... Je dois dire qu'il est plutôt joli. Il y en a d'autres dans le coin. Il y en a d'autres? La tape? Jusqu'ici? C'est pas normal. Je dois les retrouver. Tout est dans le Yavet. Mais... attends une seconde. Et voilà. J'ai réussi. J'en ai assez pour une dose. Une dose de... C'est pour toi. Tu as le droit de savoir ce qui est arrivé à ton peuple. Faites que ça marche. Sioul ne se trompait jamais. Tu peux entrer dans le Yavet en toute sécurité maintenant. Ma tête a coupé. Ah, je viendrai... Ce symbole de la tape, tu te souviens où tu l'as vu? Oui, dans les Landes. Il y a un gros rocher. Des arbres arrachés, mutilés par les ailes de métal. Bonne chance. Tu peux y arriver. On quitte, hein. Entre d'analyse, bravo. Et on va peut-être arriver à finir la quête, non? Jamais. Nor, Sioul est mort, mais j'ai rencontré un Kametire, Okur, qui a accepté de m'aider. Et j'ai trouvé un étrange logo de la RDA sur l'atelier de Sioul. Tapcon 1, tu sais ce que ça veut dire? Nor, tu m'entends? De notre école. Je ne me souviens de rien. Je me rappelle seulement que j'étais là, dans une sorte de montagne. Je crois. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes connectés à cet endroit. Oui. Nous devons le trouver. Okur m'a dit où Sioul trouvait son matériel de la RDA. Je vais y aller. Tu penses que c'est Tapcon 1? On va bientôt le savoir. Ok. Eh ben, on en apprend des trucs, hein. Et on a encore fini une quête. Hein. Si j'en fais une par épisode, on est bientôt arrivé à la fin. Hein. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir par les moyens habituels, le like, le commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis nous vous en rendez-vous pour de prochaines aventures. Allez, ciao, bye bye.